Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous célébrons cette fête, cette solennité de Marie, Mère de Dieu, je pense à tous ces enfants orphelins, tous ces enfants qui n'ont jamais connu leur mère. Quand nous célébrons Marie, Mère de Dieu, je pense à toutes ces femmes qui pleurent, qui sont affligées, qui n'ont jamais connu la grâce de la maternité. Et je nous invite à prier pour elles. Quand nous célébrons Marie, Mère de Dieu, je pense à tous ces chrétiens qui ont refusé Marie pour leur mère, qui ont rejeté la maternité, si on peut le dire ainsi, de la Vierge Marie, qui pense que Marie est une femme comme les autres. Et je nous invite à prier pour toutes ces personnes. Quand nous célébrons Marie, mère de Dieu, et notre mère, bien sûr, je pense à toutes ces femmes en prison avec leurs enfants, dans des camps de réfugiés avec leurs enfants. Toutes ces femmes qui sont maltraitées par leurs maris et qui sont obligées de fuir des coups et des mauvais traitements avec leurs enfants. Et je nous invite à prier pour elle. Mais aussi je prie et je rends grâce à Dieu pour ces fidèles femmes, malgré les difficultés, qui restent fidèles à la foi, qui sont vraiment persévérantes, qui sont les bonnes éducatrices de la foi catholique. Je rends grâce à Dieu pour ces femmes. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui reconnaissent à Marie leur mère. Je rends grâce à Dieu pour vous, ici présents, parce que vous avez choisi Marie comme mère. Et c'est une joie pour l'Église. C'est une joie pour le monde. C'est une joie pour chacun de nous de commencer cette année 2023 en faisant ce bon choix,
en choisissant Marie pour mère. Mais comment est-ce qu'on peut dire que Marie est notre mère alors que la mère, elle est la mère du Seigneur, la mère de Dieu? Comment est-ce qu'une femme peut être la mère de Dieu, la mère de son Créateur? Quelles sont les grâces que nous obtenons en célébrant cette fête, cette solennité? Oui, Marie est la mère de Jésus. L'évangile selon saint Luc que nous venons d'écouter nous dit: quand les bergers arrivèrent à Bethléem, découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Les Écritures nous témoignent de cette maternité de Marie. Aujourd'hui, nous avons médité l'évangile selon saint Luc, chapitre 2. Mais aussi, même le premier chapitre de l'évangile selon saint Luc nous dit quelque chose de très intéressant. Quand l'ange apparut à Marie, qu'est-ce qui est annoncé? Que Marie va devenir la mère du Sauveur. Chez Élisabeth, Élisabeth s'écrie: voici la mère de mon Seigneur, de mon Sauveur. Marie est la mère de Dieu. Le livre d'Isaïe, chapitre 7. Une vierge va enfanter un fils. Et son fils s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu au milieu des hommes. Cette mère est choisie par Dieu à être la mère de son fils. Elle a été préservée du péché originel. Elle a dit oui à la proposition de l'ange. Tu vas être la mère du Seigneur, dit Seigneur. Et le oui de Marie nous ouvre la porte, j'allais dire, les portes de grâce. Ainsi, par son oui, elle a accepté de devenir la mère du Seigneur, de Dieu, et aussi notre mère. Marie, c'est vrai, l'a porté et Jésus à son sein, l'a enfanté, l'a éduqué, l'a accompagné jusque sur la croix. C'était pas facile, mais elle a dit oui. Elle a connu beaucoup d'épreuves, comme beaucoup de mamans, mais n'a pas cédé aux avances du diable. Elle est restée fidèle à la volonté de Dieu. Si on peut l'appeler modèle de toute maternité, de foi et de confiance en Dieu. Marie est la mère de Dieu, la mère de Jésus. Non, c'est de Cana, Jean chapitre 2. Elle est là avec son fils. Sous la croix, Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Elle est là, Marie, avec son fils qui souffre. Rendons grâce à Dieu, parce que Jésus a voulu que sa mère soit aussi notre mère. Mère de toute humilité, d'obéissance, de foi. L'évangile selon saint Luc, premier chapitre, 39e verset suivant. Je crois au verset 45 ou 46. Marie dit: toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, elle est bienheureuse parce qu'elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ. Pendant des années, même dans les premiers siècles de la foi chrétienne, vers le 4e, 5e siècle, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'hérésies qui prônaient que Marie ne peut pas être la mère de Jésus, la mère de Dieu.
C'est vraiment peut-être la mère de Jésus dans son humanité, mais non la mère de Jésus dans sa divinité. C'est au Concile d'Éphèse en 431 qu'il y a des précisions qu'elle est vraiment la mère de Dieu, Théotokos, la bienheureuse Vierge Marie, avançant dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non, sans endassant divin, était debout, souffrant, purement avec son Fils unique, associé dans le cœur maternel, à son sacrifice, donnant au monde cette grâce de contempler Jésus sur la croix, mais aussi de l'accueillir comme mère. Cette mère nous est donnée. Cette mère est notre mère aussi. Comment pouvons-nous dire que Marie est notre mère? Les raisons sont multiples. Je vais tout simplement rappeler quelques raisons. La première raison, c'est que, au fait, Marie est la mère de Dieu. Et nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. C'est la mère de Jésus. Et Jésus est notre frère. Et si Jésus est notre frère, c'est que sa mère est aussi notre mère. Je crois que c'est une joie pour chacun de nous d'avoir cette mère du ciel. Et sous la croix, Jean chapitre 19, comme je l'ai annoncé, Jésus dit à Marie, « Mère, voici ton fils. » Et Jésus dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Et Jean nous représentait tous sur la croix. Nous l'avons accueilli. Il intercède pour nous jusqu'à aujourd'hui. Comme il a fait au nom de Cana. Ça, c'est la troisième raison. Marie est la mère de Dieu, la mère de Jésus, ainsi elle est notre mère. Marie, nous l'avons reçue sous la croix, deuxième raison. Marie intercède pour nous aussi, troisième raison. Quatrièmement, Marie nous visite chaque jour, parfois de façon miraculeuse ou individuellement, par des apparitions publiques ou non. Rwanda, nous sommes témoins. 1981, Marie est venue chez nous. J'allais dire dans le pays de son fils, Christ est roi de l'univers, est venu à Kibeho. Il est apparu à trois filles, à nous tous. Et le message qui a été donné nous concerne jusqu'à aujourd'hui. C'est un message d'actualité. Elle-même nous a dit qui elle est. Je suis la mère du Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe était Dieu. Il est venu visiter ses enfants, comme toute bonne mère. La mission d'être la mère de Dieu lui a été annoncée par l'ange. La mission d'être notre mère lui a été annoncée par son fils Jésus-Christ. Et elle est venue sur nous. Elle ne peut pas accepter d'être loin de nous. Elle fait tout pour nous être proches, venir nous visiter. Marie nous assiste par ses prières. Cinquième raison. Elle nous assiste. Elle prie pour nous. Nous en sommes témoins. Marie a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Sixième raison. Ainsi, toutes les générations me diront bienheureuse, dit Marie. Et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour cette merveille, pour cette grâce.
Septième raison. Marie est notre mère parce que, en fait, c'est un peu paradoxal. Parce que nous sommes ses enfants. Et cette maternité, le fait d'être ses enfants, j'allais dire, ce n'est pas parce que nous le voulons. C'est surprenant, c'est extraordinaire. On peut dire, non, tu n'es pas ma mère, et tu es déjà né. Je crois, je vois parfois les jeunes garçons, les jeunes filles, pendant l'adolescence, disent, non, tu n'es pas ma mère, et d'ailleurs. Quelques enfants aussi font des petits jeux comme ça. Parfois, les parents, dans leur douceur, surtout les mamans, souffrent bien sûr, mais ne cessent de veiller sur ces enfants comme ça. Parce que, pour te mettre au monde, je n'ai pas voulu te demander ta permission. Si tu es mon enfant, ce n'est pas parce que tu le veux, c'est parce que je t'ai enfanté. Marie aussi, c'est ça. N'a pas tellement besoin de notre accord. Mais pour que sa grâce, son intercession, son assistance nous soit utile, elle a besoin quand même de notre coopération, de notre oui, comme elle aussi a dit oui. Je nous invite à dire oui à Marie tout au long de cette année 2023. Dans la foi, dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la charité comme elle. Dire oui à Marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est accepter de faire ce que son fils Jésus nous demande. Évangile selon Saint Jean, chapitre 2. Faites tout ce qu'il vous dira. Deuxièmement, c'est prendre Marie chez nous, comme a fait Saint Jean, Jean 19. Troisièmement, c'est imiter Marie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la charité, dans la prière. Quatrièmement, c'est rendre hommage en culte à Marie pour Jésus. Attention sur ce point. Il y a trop de déviations aujourd'hui. Trop de déviations. Faisons attention. Il y a des messages qui sont attribués à Marie, alors que c'est faux. Marie n'est pas terroriste. Il y a des messages qui circulent. Marie a dit, si tu ne veux dis pas, dis je vous salue Marie, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas Marie qui peut dire les choses comme ça. Trop de déviations aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont à Tibéo, qui rentrent sans assister même à la messe. Oh, je dois aller à la source, prendre les lots, la bénédiction de Marie. Ce n'est pas possible. Marie ne peut pas t'empêcher d'adorer son fils. Trop de déviations aujourd'hui. Même à la messe, pendant la célébration eucharistique, chacun se donne le bon plaisir, je ne sais pas si c'est bon, de réciter son chapelet. Ce n'est pas le lieu et le moment. Marie, une personne qui a une dévotion mariale, aime Jésus. Adore Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Même Marie cède la place à Jésus. Même Marie cède la place à Jésus. Trop de déviations aujourd'hui. Des personnes qui se disent amies de Marie, mais qui restent très désobéissantes face à l'Église. Marie a toujours été avec l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit Saint descendu sur les apôtres, Marie est là avec les apôtres. Très discrète,
très silencieuse. Et tu veux vraiment être ami de Marie? Si tu dis que tu es ami de Marie, sois obéissant à l'autorité hiérarchique de l'Église. Prie pour l'Église. Ne cherchez pas des conflits inutiles. Attention aux déviations aujourd'hui. Les personnes qui se disent qu'ils ont des apparitions, des messages de Marie. Non. Quand Marie parle, l'Église, pour que ça soit public, l'Église approuve. Et cette mission donnée à l'Église, ce n'est pas que tel ou tel évêque a voulu que ça soit ainsi, c'est le Christ lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. Alors, le vrai culte marial nous invite à aimer Jésus de tout notre cœur. Quelques exemples de foi, quelques exercices de foi que nous pouvons exercer tout au long de cette année 2023. Le rosaire. Apprenons à nos enfants à citer le rosaire, le chapelet. Quand nous disons cette prière, nous faisons en quelque sorte le résumé de l'évangile de Jésus. Est-ce que toutes les citations? Non. Tous les mystères sont dans la Bible. Et quand nous méditons le rosaire, nous méditons la parole de Dieu. Les autres prières que nous utilisons sont aussi dans la Bible. Notre Père, on dit selon Saint-Marc, selon Saint-Luc, selon Saint-Matthieu, spécifiquement au chapitre 6. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Quand nous citons le rosaire, le chapelet, nous prions comme Jésus nous l'a appris. Donc je vous salue Marie. Oui, c'est l'évangile selon Saint-Luc, premier chapitre. C'est la prière de l'ange et la prière d'Élisabeth. C'est une joie de prier comme les anges, non? En fait, quand nous disons « Je vous salue Marie », nous exerçons à prier comme les anges, parce que c'est l'ange qui a prononcé pour la première fois ces mots, ces paroles. C'est quand même contradictoire quand nous sommes en train de chanter, de répéter les paroles de peut-être des artistes préférés, c'est bien, et avoir honte de répéter, de prononcer les paroles de l'ange. Je vous salue Marie, le comblé de grâce. C'est l'ange qui a dit pour la première fois ces paroles à Marie. Et quand nous prions ainsi, nous prions comme des anges. Oui. Et ce n'est pas n'importe quel ange, l'ange Gabriel, un des archanges, n'est-ce pas? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sont des paroles de l'Écriture. Je nous invite, chers parents, je vous invite, spécifiquement à vous, à apprendre à vos enfants le chapelet, le rosaire, tout au long de l'année 2023. Que ce soit vraiment une prière familiale, à maison. C'est affaire de 17-20 minutes et le chapelet est terminé. Puis on peut continuer à regarder le match, le film. C'est pas grave, c'est bon. Mais trouvons quelques minutes aussi pour Marie. Ça nous fera du bien. Et la paix qui surpasse toute intelligence, par l'intercession de la Vierge Marie, habitera nos vies, nos familles, nos cœurs, par le Christ Jésus, notre Seigneur.